Il est pressé, stressé, compressé, essoré par cette vie maquillée qu'il ne fait qu'escorter. C'est l'homme objet de réussites équivoques et qui vogue vers un avenir bien sombre. Songe à la suite de rutilantes soirées, l'éponge se devrait par moment d'être jetée. Mais il finit toujours dans un lit au drap de soie, avec ce je ne sais quoi de je ne consens pas. Et je ne comprends pas comment, les pourquoi restent en suspens, juste là, comme ça. Et sous l'épuisement, une nouvelle fois, il s'endormira et tout s'effacera. C'est l'homme pressé qui commence sa journée, un regard sur la trotteuse en avalant un café. L'homme stressé qui en oublie l'essentiel, ne profitant de rien, sa vie n'est plus réelle. C'est l'homme pressé qui commence sa journée, un regard sur la trotteuse en avalant un café. L'homme stressé qui en oublie l'essentiel, ne profitant de rien, sa vie n'est plus réelle. Au réveil seul, dans un grand appartement, se regarde dans la glace et y'a du taf apparemment. L'apparence est important pour qui est imposteur. Rien n'est moins trompeur qu'un bonheur sans odeur. Sélectionne les accessoires et les trompe. Regarde, donne vie à l'instrument d'une existence en trompe-l'œil. Réussite sans autre égard que des bruits de couloir. Il fait fi des écueils, il s'est construit seul. Il se dit bien par moments, les yeux dans les yeux, quand viendra le temps où il sera devenu vieux. Que pensera-t-il à cet instant de sa peau fripée et du terrible bilan de n'avoir existé? C'est l'homme pressé qui commence sa journée, un regard sur la trotteuse en avalant un café. L'homme stressé qui en oublie l'essentiel, ne profitant de rien, sa vie n'est plus réelle. C'est l'homme pressé qui commence sa journée, un regard sur la trotteuse en avalant un café. L'homme stressé qui en oublie l'essentiel, ne profitant de rien, sa vie n'est plus réelle. Se sentir comme objet, dépossédé de sa substance, dont même l'utilité est aujourd'hui vide de sens. À un âge trop avancé pour songer, se réaliser, il se couche une dernière fois et n'a plus de regrets. La peur, c'est le marché du siècle. Marché du bien-être artificiel, des pilules, de l'alcool, des cigarettes, des drogues illégales. Vous êtes dans la peur, la publicité arrive qui vous dit « consommer, et ça ira mieux ». Comment reprendre un développement après une agonie psychique? J'entends penser qu'il fallait forcer pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de célébrité, dans mon cas, plus de fans Facebook, pour courir après les projets, après les gens. Et puis le jour où j'ai compris qu'on attire ce qu'on est, j'ai plus à forcer. Plus les choses vont arriver librement.